Cupcakes, je vous crois, on est le jeudi 11 avril, il est 7h46 du matin et je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée. C'est parti! Bon, je suis avec Weasley que j'avais posé ici même hier soir sur ma chaise avec ma robe de jean. Je sais qu'elle adore se mettre comme ça. Et au final, je la retrouve ce matin au même endroit. Les garçons sont en train de prendre leur petit déjeuner, c'est pain au lait avec un petit bout de chocolat, un petit chocolat chaud, un petit yaourt à boire selon leurs envies. Et voilà. Eh bien écoutez, on va commencer cette journée tranquille ou bidou, on va en emmenant les enfants à l'école juste après et puis let's go quoi! Oh. Bon, je vous reprends. On entend du bruit derrière, on a Discord qui miaule en chaleur à la mort et Makato et Ernesto qui font les fous, qui rebondissent sur les canapés et tout. La seule qui est sage, c'est ma moumoune ici présente. Sinon, j'ai reçu un colis. Je suis obligée de l'ouvrir avec vous parce que ça c'est le colis tant attendu avec ma soeur. Je sais que soeur rentre fin avril. Et c'est un des premiers trucs qu'on va faire ensemble. Vous voyez la forme? Oui, c'est un DVD. Ouais. Hop là. Incision chirurgicale. Je suis trop surexcitée. On découvre ensemble. Oh my god, yes! Ah ouais, 5-0, l'ultime saison. Oh my god. J'adore. Je vais pas enlever le blister, je le ferai avec sœur. Vraiment, mais... Ça veut dire que, vous savez quoi? Sœur, elle est détentrice des 8 premières saisons et de la 9e, et moi j'ai la 10e. Ça veut dire on est faites pour vivre ensemble, tu vois. Moi, j'ai vraiment la fin de la fin et elle a tout le reste. Oh my god! Je suis trop contente! Trop cool. Je vais lui envoyer tout de suite un Snoopy chat. Bon, sinon, petit déjeuner. Oh, j'adore le vert pastel en ce moment, comme ça. Ma couleur avec le rose, là. Pouah, c'est trop beau. Bref, petite mug d'idole, du coup, ce que c'est d'Idina. Je vous ai dit, j'adore cette collection, j'en ai 4. Donc là, je vous montre le vert. Avec un petit cappuccino, comme à peu près tous les matins. Et... une tartine de pain aux graines, peanut butter et banana. J'adore ce petit déj. On a mes petits garçons qui prennent leur repas. Donc là, c'est un repas plaisir. C'était œufs et frites. Donc Orphée, c'est omelette frites et Thésée, c'est œufs à la coque frites. Et j'ai toujours leur petit bouquet de fleurs qu'ils m'ont fait sur la table qui est vraiment trop beau. Et on a goûté la sauce américaine de chez KFC. Parce que du coup, mon ami Quentin m'avait donné des sauces et on avait un gros tube de sauce américaine. Donc c'est avec une sauce un peu goût tomate et échalote. Et en vrai, c'est bon. Je pense dans un burger, ça peut être grave bon. Et moi, j'ai soif. J'ai envie de Monster et tout, mais je voudrais éviter de craquer. Attends 2 secondes, mon cœur. Et du coup, ce que je bois, c'est ça. C'est juste de la menthe du jardin que j'ai fait infuser dans de l'eau bouillante hier. J'ai attendu, j'ai laissé refroidir toute la nuit. Et là, je l'ai mis au frais. C'est trop bon. C'est juste de l'eau avec de la menthe infusée. Et il n'y a pas de sucre ni rien. Parce que du coup, le but, c'est de remplacer, de ne pas boire de sucre et tout. Donc voilà, j'adore ça. Je vais recueillir de la menthe et je vais en refaire, je pense, pour dans la journée ou pour demain. Vraiment un swag à toute épreuve. Avec un pull et un manteau que j'ai volé à chat, bien évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Coucou, du coup je vous reprends, il est 13h36, j'ai déjà mangé puisque pour une fois j'ai mangé à peu près en même temps que les garçons. Ils sont partis à l'école, j'ai remis mon pilou, j'ai froid, j'ai mal au bidou, j'ai froid. Je pense que j'ai chopé un petit coup de froid aussi parce que je suis pas bien, c'est pas grave. Je vais jouer ma petite bouillotte, je fais ma petite infusion de menthe fraîche. Je vais regarder un petit peu Monk, j'ai encore quelques papiers à fignoler et tout donc je vais essayer de faire un petit peu ça. Dans l'optique, ce serait cool que je me motive à faire des muffins ou un gâteau cet après-midi, ça pourrait être grave cool. Et j'ai le coup de balai à passer, c'est le plus important. Voilà. On essaie de se motiver. Re, il est 16h48, je me suis fait une tartine du pain avec du fromage. J'ai tout balayé, tout rangé, j'ai trié tout le placard de la cuisine, je suis trop contente. Lavé, trié, nickel. Le placard à boîte de conserve et tout, principalement, parce que j'ai plein de placards en cuisine, mais celui-là, là, tout lavé, tout trié, tout rangé. Femme contente. Les garçons ont fini l'école, on va pas tarder à faire les devoirs, on prend le goûter, donc moi je prends ça. J'ai mis tout le truc dedans. Voilà, il me reste encore un petit peu d'eau fraîche à la menthe, j'en ai fait une deuxième bouteille. Et j'ai presque fini mon montage pour poster, dans la base je vais faire ce soir, mais peut-être plus demain du coup.
Voilà. Recoucou, il est 17h30, les devoirs sont terminés, les garçons sont partis jouer dehors, vraiment les beaux jours, ils adorent ça. Et le fait qu'ils soient privés de télé, en fait, ils la réclament même plus, ils ont pris l'habitude de juste aller jouer, donc bien mieux que de réclamer de la télé. Donc on va continuer comme ça sur la lancée. Hein. Et moi, du coup, là, je me suis installée un petit peu. Je vais faire des petits gâteaux de semoule au raisin sec parce que j'adore ça. Et j'ai décidé de les faire dans des petits moules en cœur, je vous montre. Là, du coup, je fais bouillir du lait avec du sucre et un petit peu d'arôme vanille. Là, j'ai ma semoule pour quand ça va bouillir. Et du coup, ça, c'est des petits moules tupperware que ma mère, elle avait. Je crois que c'est super bien pour faire des petits flans et tout. Mais là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des petits cœurs semoule. Et j'ai réhydraté des raisins secs avec de l'eau chaude puisque j'avais oublié de le faire hier. Et puis, ça fonctionne très bien comme ça, donc voilà. On peut aussi, quand on les réhydrate la veille, les réhydrater dans du rhum si on aime. On a pas mal de score, c'est bon, on a compris que t'aimais le pauvre. Un petit dîner, genre je vous ai montré, petite salade, petite patate et tout. Devant le replay de Danse avec les stars, j'ai toujours pas fini. Il y a le prochain prime demain, donc autant me mettre à jour maintenant. Coucou, je vous reprends le vendredi 12 avril, il est 7h50. Je suis levée, les garçons vont prendre leur petit déjeuner. Là, ils sont en train de s'habiller un petit peu plus en retard ce matin. Mais ça, on a le temps. Là, j'ai mes trois bébés chats qui sont venus dire bonjour. Donc, on a Macchiato, Discord, Ernesto, Weasley, elle est de l'autre côté. Et voilà, écoutez, oui, je commence ma journée avec cette superbe dégaine. Regardez cette coupe de cheveux. Waouh. En fait, je regardais les pointes, elles sont vraiment niquées. Donc, je me dis, avant de les recolorer, il faudrait peut-être que je recoupe un peu les pointes. Bref, je vais préparer le petit déj des enfants, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai mon rendez-vous du vendredi matin. J'ai une petite course à faire, du genre acheter de la litière et tout. Et ce soir j'ai Jérémy qui vient à la maison. Je suis trop contente, peut-être Branier si vous le demandez. Et voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti hein. Je reprends, il est 8h40, je suis dans mon box et qu'est-ce que je vais faire?
je vais choisir mon outfit, petit ravalement de façade, parce que j'ai envie de me make-up là, donc let's go. Et bien évidemment, on va pas faire ça avec aucun fond sonore, on va regarder Hawaii 5.0, saison 1. Je me suis dit, vas-y, je vais le reprendre depuis le début du coup. Du coup, let's go. Petite tasse de cappuccino aujourd'hui dans celle-ci, qui est du coup jaune et orange. Elle est vraiment parfaite pour l'automne, mais là, jaune, c'est aussi soleil et tout, t'as vu. Et je vous avais pas montré celle-ci. En ce moment, je vous montre toutes mes tasses comme ça d'idole. Je les aime trop, trop, trop. Donc voilà, on va faire ça. Je vous emmène avec moi. C'est parti, ravalement de façade. Je vous reprends, je vous avais pas montré mon outfit ni mon make-up. J'ai été à mon rendez-vous. Il est 11h12. Je me dépêche, je sors du carrefour. J'ai juste récupéré de la Monster Mango Loco. Et là, je vais aller chercher les enfants à l'école. Les gens me regardent bizarre parce que je parle toute seule, encore une fois. Le retour des beaux jours, ça fait qu'il y a beaucoup de gens dehors et qui me regardent vlogger en mode mais qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, voilà. Je suis en train de manger une petite madeleine comme ça au chocolat parce que c'est bon. Et voilà, je le mérite. Je suis très contente. J'ai réussi avec un rendez-vous à obtenir de l'aide pour pouvoir changer mon bac à douche. Donc ça, c'est trop cool. Bref, je rentre, je range mes petites courses. De toute façon, je dois refaire des courses cet après-midi parce qu'il faut que j'aille chercher de la litière. You know. Et quelques trucs à manger aussi. Et à grignoter tout pour ce soir s'il y a Jérémy qui vient à la maison. Et voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Petit... Ah, moi, il fait tout tomber, super. Désolé, petit... Je suis vraiment une chiante vlogueuse en carton. Petit cutter, je vais ouvrir mon colis. J'ai reçu un colis Vinted. Let's go. Bonjour. Oh, ce que c'est? Tu veux faire? Ah, la dame, elle l'a bien emballée par contre. Ah oui. Personne va réussir. Oh, quoi? Encore un paquet? Doucement, ne crie pas. Je suis à côté, tu me cries dans l'oreille, chérie. Super bien emballé. Mmh. Ah, je suis trop contente. Merci pour votre commande, bonne réception. Oh, trop mignon. Et du coup, on va commander avec ma soeur des classeurs. Comme je vous ai dit, en fait, pour nos papiers administratifs, on veut des classeurs, mais pas n'importe lesquels. On veut des beaux classeurs d'adultes. C'est faux. Du coup, la dame, elle vendait un super nana comme ça, qui est un petit peu abîmé parce qu'il n'est pas tout jeune. Mais tu vois, il y a des paillettes et tout dans leurs yeux. Donc, j'étais trop contente. Et surtout... Pour ma sœur et moi, on voulait un pour la maison, pour mettre les papiers en rapport avec les travaux dans la maison. Et du coup, ça sera celui-ci, Pouka, parce qu'on adore Pouka toutes les deux. Ils sont trop beaux, je vais y envoyer en vidéo. Et je vais vous montrer, du coup, je me suis pris ça ce matin en fripe. Une petite musette. Et en vrai, même en été, ça peut limite être mis en petite robe, tu sais, pour les modes robe musette. Je la trouve kikinou, faut que je l'essaye, mais je la trouve trop choupette. Voilà, c'est tout pour les petits colis. Coucou, je vous prends, il est 14h27, je monte les petites courses, j'ai les courses de chez Lidl et Carrefour. Du coup, chez Carrefour, j'ai pris deux petits monsieur madame comme ça. Un avocat. Des dates courtes, j'ai pris de la raclette fumée comme ça, à moins 50%. Des pavés fromage, soja et blé. Des petits nuggets, pareil, ça, ça va le congèle direct. Des petits tubes pour ce soir. En date courte aussi, il y avait des tubes comme ça, des filous tubes, les garçons adorent ça, donc j'en ai repris. Chez Lidl, avec ma carte Lidl, j'avais un produit de boulangerie offert, du coup j'ai pris une brioche tressée. C'est plus cher que le pain aux graines, il n'y avait plus de pain aux graines, donc voilà. Du papier toilette, bien évidemment. Un ketchup. Petite mozza. Deux tomates cerises. Des petits yaourts comme ça qui étaient en promo, des petites mousses à la menthe et au chocolat, trop bon. Des Doritos au barbecue, des petits 3D bacon, et pour finir, une litière ainsi qu'un paquet de croquettes habituelles. Voilà, je vais ranger mes courses et puis je vous reprends après pour mon repas.
Du coup, c'est l'heure du petit repas du midi, tranquillou. J'ai bien fini d'étendre le linge dehors au soleil et tout. Hop, je fais ma petite liste des choses à faire. C'est une dinguerie, j'ai mis de la cica crème, c'est encore pire. J'ai l'impression que dès que je mets la crème cicatrisante, ça m'arrache la peau. C'est de la merde. J'ai vraiment mal, ça me prend même la lèvre. Bref, j'ai oublié de vous montrer aussi, je me suis acheté un mascara Maybelline. J'ai pris celui-là. Oh, j'ai pris le waterproof. J'aime pas les waterproof à nettoyer, c'est l'horreur. Bref, c'est pas grave, la brosse avait l'air sympathique. Et bah écoutez, avec le, il est en promo dans Lidl. Et en plus, il y avait un bon de réduction avec l'application Lidl. Donc je l'ai payé 3,20€ pour un Maybelline. Je me suis dit que c'était pas mal. Et du coup, la brosse, je vais vous montrer. C'est totalement le genre de brosse que j'aime comme ça. On voit pas très bien, mais bon, vous avez capté quoi, avec des petits picots. Et bien noir, du coup. J'ai hâte de mettre ça, mais il me faut absolument du liner aussi. Mais ils en avaient pas. Ils avaient que des crayons tattoo liner. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'un eyeliner. Le mien, il commence à vraiment décéder. C'est pour ça qu'il marque pas bien. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un mascara, c'est déjà ça. Bref, je vais manger tant que mes petites patates sont chaudes. Et puis, bah, écoutez, je vous reconfie en mesure de la journée, comme d'hab. Re-coucou, il est 16h24. Oui, il y a toujours des camions quand je vlog. Respectez mes vlogs un peu. Et 16h24, c'est la sortie de l'école. Je vais aller chercher les garçons. On va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a ce qui, s'appelle la grande lessive. C'est genre une exposition d'art, démonstration d'activités qu'ils ont fait à l'école et tout. Et en fait, c'est pas que dans leur école, c'est en France. Mais ça avait dû être décalé parce qu'il y avait eu des intempéries, il y avait beaucoup de vent et tout. Donc vu qu'ils accrochent des trucs dans la cour, ça pouvait pas être fait. Mais là, du coup, ça va être fait. Et du coup, bah, on va y aller. Voilà. Donc je vous emmène. La grande lessive c'est fait, leur petite création était très mignonne, j'ai essayé de vous filmer quelques extraits. Et là du coup on mange un petit peu de la brioche tressée, j'ai pris l'entame, faut savoir que j'adore l'entame, avec un petit peu de chocolat et voilà. Je vous reprends les 18h passées et du coup il y a la maman de Jazz qui est venue me le déposer, donc c'est un chien, je vous montre après. On n'est pas sur du Utah, on est vraiment sur un chien mode Loopy, là encore mieux, c'est un... Enfin, encore mieux, encore plus grosse patate toute vieille. C'est un vieux pépère. Il est tout chill. Vraiment, là, il est juste couché à côté de nous. Ouais. Il était voir Discord, elle lui a mis un coup de patte. Il y avait sa maîtresse qui était là. Elle m'a dit, bah au moins il s'est pris un coup de patte, il recommencera pas. On va mettre un petit coup de biceptine sur le museau et c'est passé. Très bien. Et là voilà, il est tout chill. Qui est vraiment une grosse patate, il est trop mignon. J'avais trop hâte. Surtout qu'il connaît Loopy. C'est un des copains de Loopy. Voilà. Et du coup, lui, normalement, il a sa sœur, on va dire ça comme ça, qui est avec lui. Mais là, elle s'est fait opérer. Du coup, bah, il me l'a fait pas garder ce week-end. Elle me la fera peut-être garder la semaine prochaine avec lui pour que je m'habitue aux deux ensemble. Et si c'est le cas, bah, je les aurai après une semaine. Et c'est trop bien parce que du coup, elle me le fait garder un peu avant pour être sûre qu'il s'adapte à la maison et qu'il se sente bien. Et elle m'a dit, au moindre souci, vous m'envoyez un message. Et en gros, elle est là en 20 minutes. Une maîtresse de qualité. Bref, voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, c'était vraiment avec Uta que ça s'est mal passé. Enfin, c'est mal passé. J'ai rien fait au chien. J'étais très juste, très heureuse qu'il reparte parce qu'il était en train de tout dégommer dans la baraque. Hein. Mais j'étais à bout de nerfs. Et pourtant, j'aime les chiens. Tu vois, il n'y a rien. Ce chien, je suis très contente de l'avoir. Voilà. Bref, je vais garder mes chiens. J'ai les maquillages qui coulent. C'est une horreur. Et du coup, ce soir, j'ai Jérémy qui vient. On va faire une petite soirée tous les deux. Ça va être trop cool.